Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Eloquentiam. Cette chaîne unique au monde est réservée aux guidances pour nos animaux de compagnie ou nos animaux domestiqués. Bonjour à tous, je suis Magali, l'auteur et l'éditrice de l'oracle pour les animaux. Oui, vous avez bien entendu, c'est de votre compagnon animal dont nous allons parler. Dans les guidances intemporelles que je propose sur cette chaîne, je vous propose un sujet de guidance qui nous concerne tous quand nous sommes en lien avec un animal de compagnie ou un animal domestiqué. Parce qu'ils ont une espérance de vie qui est bien plus courte que la nôtre, nous vivons la totalité du cycle de la vie de nos animaux. Il arrive un temps où nous savons que c'est là, il va vieillir. Et quand arrive le temps où nous savons que c'est là, maintenant, il est très âgé, nous réalisons que le bout du chemin ensemble n'est plus très loin. La vieillesse de nos animaux nous inquiète. Et c'est le sujet de cette guidance intemporelle. Qu'importe la date de votre lecture au sujet de la vieillesse de votre cheval, dans cet espace vibratoire, vous pourrez recueillir des énergies à travailler ou des énergies qui sont des axes de réflexion pour son bien-être. Comme je ne connais pas votre vécu, c'est à vous de faire le tri dans ce qui sera dévoilé par l'oracle. Pour votre avertissement, si votre guidance ne vibre pas avec votre lien avec votre vieux cheval, cela veut dire qu'elle ne vous est pas destinée. Exercez votre discernement, c'est important, et ne vous laissez pas influencer. Pour tous les problèmes de santé que vous pourriez noter ou que votre cheval pourrait avoir, consultez bien sûr son vétérinaire bien aimé, à condition qu'il l'aime. En tout cas, c'est lui qui est le seul compétent en matière de santé. Alors, je vous propose cette guidance intemporelle pour votre cheval. Le sujet est le suivant. Quels sont les conseils préventifs de l'oracle pour les animaux pour accompagner au mieux votre très vieux cheval? Alors, ici, ce sont des conseils préventifs. Il n'y a pas d'annonce et il n'y a pas d'événement qui le concerne. Si vous souhaitez une guidance privée, les infos de contact sont dans la description de la vidéo. Devant vous, il y a trois guidances. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de n'en choisir qu'une seule. Il est tout à fait inutile de faire la lecture des trois guidances. Bon, alors c'est vrai que là, j'ai quand même un peu manqué d'inspiration. Pour ne pas vous embrouiller, j'ai mis des noisettes. Guidance numéro 1 avec une noisette. Guidance numéro 2 avec deux noisettes. Et guidance numéro 3 avec trois noisettes. Bon, il est vrai que les noisettes ne sont pas l'apport alimentaire préféré par nos chevaux. Mais bon, qu'importe, c'est pour vous aider en tout cas à faire votre choix parce que les cartes ici au dos, elles sont toutes identiques. Alors, prenez votre temps, ne mentalisez pas, pensez à votre vieux cheval et je vais commencer ici la guidance avec une noisette. À tout de suite les chevaux, merci. Bonjour les chevaux, bonjour au monde équestre. Nous entrons ici dans les énergies de votre cheval. Vous avez choisi la guidance numéro 1 avec une noisette. Et ben voilà, j'ai pas trouvé mieux. Cette guidance est destinée à votre vieux cheval et nous allons lire ici les énergies préventives, les conseils préventifs de l'oracle pour les animaux. Donc, conseils préventifs dédiés à votre vieux cheval. Qu'avons-nous? Nous avons ici le sceau du cerf, la gourmandise de l'ours et le guide. L'alimentation chez les animaux, c'est vraiment un sujet très important. Pour la plupart des espèces animales, si ce n'est pas quasi la totalité, l'état sauvage, le temps dédié à la recherche de l'alimentation, de la nourriture, est un temps qui est très important.
Donc c'est vraiment un sujet fondamental. Et bien sûr, comme souvent, eh bien la gourmandise de l'ours se retrouve ici en position centrale. Alors encadré ici par ces deux cartes, le sceau du cerf et le guide, dans cette guidance conseil, on va véritablement parler de prévention par le biais de la nutrition. Mais c'est une nutrition, une prévention ici qui est un petit peu spécifique et qui est en fait très ciblée. Votre vieux cheval a maintenant besoin d'une nutrition adaptée, bien sûr, en raison de son âge, et c'est fréquent, hein, c'est presque une banalité hein, quand on est au fait hein, du bien-être de nos animaux. Mais là, il y a, en raison de son âge, des problèmes qui sont en lien avec les articulations. Alors, ce cheval a peut-être travaillé dans un centre équestre, il a qu'importe à la nature hein, des activités qu'il a pu avoir avec vous. Vous l'avez peut-être monté, plusieurs personnes l'ont monté, il a travaillé. Voilà, il y a en tout cas aujourd'hui, alors c'est en lien avec son vieillissement, mais ça peut être aussi en lien avec des traumatismes, des traumas. Donc là, c'est vraiment votre histoire, votre vécu hein, qui pourra préciser ça. Mais il y a des problèmes articulaires, des problèmes d'arthrose, des problèmes tendineux, des problèmes musculo-squelettiques. Là, on fait appel, on parle ici de tout ce qui est lié au déplacement, au mouvement, aux articulations. De manière générale, là, on parle de squelette et d'articulation. Donc, c'est tendineux, musculo-squelettique, etc. etc. Enfin, il y a toute une liste. Bon, même si cela, en tout cas, c'est déjà au clair pour vous. Tout de même, l'oracle insiste sur ce sujet. Parce que ici, nous avons la présence du guide. Et le guide réclame, au-delà hein, de votre perception, au-delà de votre compréhension et au-delà de vos actions encore, l'oracle ici est en train d'insister sur la présence la présence, le conseil d'un spécialiste dans la nutrition du cas particulier qui est ici votre cheval. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est tout à fait spécifique le concernant. Oui, c'est votre vieux cheval a quelque chose en lien avec tout ce qui est musculo-squelettique, avec tout ce qui est articulation, avec son squelette, il y a quelque chose de spécifique qui le concerne, qui est vraiment un cas particulier. Alors, vous avez certainement mis en place un certain nombre de choses, parce qu'on voit qu'en position centrale, vous êtes déjà soucieuse, hein, de lui apporter ces besoins nutritionnels qui sont liés à son âge. Mais il y a un palier qui est à franchir, qui est à monter pour pouvoir aller vers quelque chose, vers un réglage qui est encore plus fin et plus abouti. Oui, il y a ici des conseils avisés, des conseils spécifiques qui sont à trouver pour avoir des apports nutritionnels en termes d'oligo-éléments, de minéraux, en lien aussi avec peut-être aussi des soins, ça peut être aussi des soins énergétiques, hein, attention, hein, c'est à vous de voir, c'est pas forcément de l'allopathie, ça peut être de la naturopathie, ça peut être encore d'autres compléments et ça peut être aussi éventuellement des soins énergétiques, des soins d'ostéopathie aussi. Hein. Il y a un complément qui est à faire en lien avec une supplémentation. Donc il y a la supplémentation qui est à renforcer et il y a encore des soins supplémentaires dans une autre voie qui sont à trouver. Voilà.
Bah écoutez, cette guidance, elle est terminée. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si c'est véritablement en lien avec ce que vous vivez avec votre vieux cheval. Voilà, ça vous demande hein, d'être peut-être encore plus précis, bah plus pointu tout simplement. Hein. Voilà, c'est une guidance conseil plus pointue quant aux compléments que vous pourriez apporter, compléments en termes de nutrition et compléments en termes de soins. Voilà. Je vous remercie les chevaux et je vous embrasse. À bientôt. Je vais commencer maintenant la deuxième guidance. À tout de suite. Merci. Au revoir. Bonjour les chevaux. Nous entrons maintenant dans les énergies pour cette guidance numéro 2 avec deux noisettes. Cette guidance est intemporelle, qu'importe la date ou la période à laquelle vous pourriez faire cette lecture. Quels sont les conseils de l'oracle pour les animaux pour accompagner votre vieux cheval et lui apporter des compléments si vous en ressentez donc le besoin. Voilà. Alors, dans les énergies de cette guidance numéro 2, nous avons les cailloux, nous avons la voix romaine et nous avons une belle parole. Waouh, génial! Attendez, je vais aller chercher un petit accessoire que j'aime beaucoup. Regardez. Parce que ça, cette guidance, dans cette guidance avec une belle parole. Cher gardien, chère gardienne de ce vieux cheval, vous avez un nouveau message. Le message de votre cheval est le suivant. Alors, votre cheval a visiblement un vœu à vous formuler. Eh bien, actuellement, il est loin de vous, hein, votre vieux cheval. Il est loin de vous et votre vieux cheval, il aimerait bien prendre la route dans l'autre sens, parce que ici cette énergie elle circule dans un sens comme dans un autre, et là on a à la fois on a la rose des vents, donc on a une distance, une direction, et ici on a une énergie qui tend à vouloir revenir vers un point fixe, vers un point central. Avec ces deux cartes on pointe là un lieu qui est spécifique. En fait, votre vieux cheval est loin de vous et il aimerait prendre la route dans l'autre sens et revenir près de vous. Votre vieux cheval voudrait rentrer à la maison. Alors, bon, comme je vous disais un instant, les énergies hein, peuvent tourner dans un sens ou dans un autre. Peut-être que c'est vous, gardien ou gardienne de ce cheval, qui réfléchissez, pensez à prendre la route, c'est-à-dire déménager, vous rapprocher hein, du lieu où vit hein, votre cheval, parce que voilà, les énergies hein, ne sont pas unilatérales. Et en tout cas, il y a un déplacement à faire. Il y a un déplacement à faire. Pour quelle raison? Pour vous retrouver. Voilà, et c'est le souhait, c'est le vœu de votre cheval. Alors, si ce sujet-là est d'actualité, qu'importe qui de vous deux sera ou devra se déplacer, eh bien, vous réalisez le vœu de votre cheval, et c'est parfait. Voilà, c'est super. Alors, j'ai quand même quelque chose à qui me vient là. Et je suis en train de me dire, et si cette guidance conseil était en train de dire, finalement, pas plus de 2 km entre vous, eh bien, ça serait la bonne distance. Alors, si c'est 200 mètres, c'est bien. Bon, si c'est 2 mètres, ça fait peut-être un peu court. vous ayez envie de dormir dans le box de votre cheval. En tout cas, moi j'allais dire, allez, pas plus de 2 km entre vous et ça sera très bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les chevaux. Merci, au revoir.
Bonjour les chevaux, j'ai eu un petit souci technique, j'ai mis ma caméra en charge parce qu'elle n'avait plus de batterie. Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace vibratoire pour vous les vieux chevaux. Vous avez donc votre gardien-gardienne a choisi cette guidance avec trois noisettes et nous allons voir quels sont les conseils préventif de l'oracle pour les animaux, vous qui êtes un cheval très âgé. Nous avons ici la vache sacrée, quelle belle carte cette carte, la vache sacrée, les papiers et non. Ouf, alors ça c'est une carte qui est redoutable. Eh bien, ok. Donc votre cheval est âgé. Parce que c'est vraiment le cœur de cette guidance. Votre cheval est âgé. Cela veut dire qu'avec la présence ici de ces papiers, eh bien vous avez prévu de le réformer. Vous avez prévu de vous installer à votre bureau pour accomplir un certain nombre de démarches administratives qui sont nécessaires à ce statut de réforme qui est prévu. Alors, quand je dis âgé et quand je dis réforme en raison de son âge, c'est peut-être effectivement parce qu'en année civile, votre cheval est âgé, mais il peut être aussi âgé éventuellement pour une activité. Il a fait son temps par rapport à son activité, qui est peut-être une activité équestre, Et là, maintenant, eh bien, il faut le mettre à la retraite ou le réformer. Donc, dans le mot réforme, vous inclurez plusieurs compréhensions, hein, parce que je ne connais pas la situation spécifique, le vécu que vous avez et le lien que vous avez avec le cheval âgé pour lequel vous consultez ici cette guidance. Mais en tout cas, il y a un problème. Et je ne sais pas dans cette guidance qui s'exprime. C'est peut-être vous, l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez en lien avec ce cheval, ou bien c'est votre cheval qui lui s'exprime parce qu'il sait ce qui se passe et ce que vous devez maintenant faire. Parce qu'il y a déjà une décision qui a été prise en quelque sorte. Quand je dis qu'il y a un problème, l'un de vous ne veut pas de cette réforme-là telle qu'elle est décidée, telle qu'elle a été actée. Et bon, pour des raisons pour moi qui me sont totalement inconnues. Parce qu'en fait, bah oui, enfin on a non, hein, donc pas besoin de développer cette carte, mais il y a quelque chose qui m'interpelle profondément dans cette guidance, c'est que nous avons la présence ici de la vache sacrée qui m'interpelle profondément. Si c'est une jument, vous avez peut-être décidé de ne plus la faire saillir en raison de son âge. Bien sûr, c'est prudent, évidemment. Bon, on va pas pour chaque cas développer les pour, les contre, etc. Voilà, c'est à vous de faire l'analyse, votre analyse. Elle m'interpelle en tout cas la présence de cette carte de la vache sacrée parce que cette carte, c'est avant tout dans notre lecture, pour notre compréhension humaine, cette carte émane la bonté et la bienveillance. En fait, cette guidance vous demande de poser votre stylo un instant. Visiblement, il y a une profonde réflexion qui est à mener. L'un de vous deux, n'est pas d'accord avec ce qui se trame. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette réforme.
et ce qu'elle contient, ce qu'elle signifie véritablement. Votre cheval, et aussi si c'est une jument, bien sûr, ne veut pas de cette réforme. Voilà. Il y a une réflexion qui est à poser. Il y a des démarches administratives pendant un temps, un certain temps, c'est à vous de le déterminer, hein, où il faut poser, stopper les démarches dans lesquelles vous vous êtes engagé, pour poser là les papiers, poser votre stylo et réfléchir. Il y a une autre réflexion qui est à avoir. Cette guidance vous réclame votre protection. Parce que la vache sacrée, c'est la mère universelle du monde animal. Et elle est bienveillante et protectrice. Si vous actez la réforme de votre vieux cheval, s'il vous plaît, soyez sûr que cela est bien en accord avec les valeurs de la bonté et de la bienveillance dirigées vers ce cheval. Vérifiez aussi, s'il vous plaît, que c'est bien en accord avec vos valeurs. Si les démarches sont à modifier, eh bien faites-le. Et si en revanche vous continuez cette démarche de réforme, assurez-vous qu'elles sont bien en accord avec les souhaits de votre cheval, qu'il y a bien son acceptation, parce que là, au moment de votre lecture, votre cheval n'est pas d'accord. Voilà, je vous laisse dans cette méditation qui, me semble-t-il, ne va pas être simple du tout pour vous. Bon, si vous avez besoin de conseils complémentaires, vous pouvez m'écrire, hein. J'ai mis tous les éléments dans la description de cette vidéo. Eh bien, je vais vous dire, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie. Je vous embrasse, les chevaux. Au revoir, à bientôt.